Hi everyone, my name is Margot and I'm a Heartfulness Youth 2.0 representative. I'm very happy to introduce you to the Yoga for Unity and Wellbeing event from the 16th to the 21st of June. For this special occasion, you've been offered three online yoga classes from the amazing French yoga teachers Ghislaine Francis from My Sunny Yoga in Marseille, Marjorie Moy from Key Yoga and Pilates in Boulogne, and Manoli Soy-Souvan from Studio Velvet Yoga in Metz. Through these yoga classes, you have a beautiful opportunity to discover the amazing benefits of yoga for your well-being, but also to keep peace and unity within and with others. So just follow the flow, enjoy it, and let's begin. Bonjour, je m'appelle Ghislaine, je suis enseignante de yoga à Marseille et en ligne sur mon site My Sunny Yoga, sur lequel je propose des séances en vidéo, aux thèmes et aux durées variées. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été sollicitée pour participer à ce beau projet Yoga for Unity. Je vous propose aujourd'hui une séance d'environ 25 minutes, une séance assez dynamique, sur le thème de l'ancrage et de la confiance en soi. Je vous propose que l'on démarre tout de suite. Asseyez-vous en tailleur ou dans une position assise de votre choix. Vous allez placer vos mains sur vos genoux et chercher à bien allonger votre colonne vertébrale. Imaginez qu'on a accroché un petit fil au sommet de votre tête et qu'on vous tire légèrement vers le haut. Gardez vos épaules basses et laissez vos yeux se fermer un moment. On va prendre quelques instants pour se recentrer, pour se connecter à soi. Et également se connecter aux autres, puisque nous sommes nombreux à faire cette séance, à partager ce moment. Chacun chez soi, mais tous ensemble. Venez observer le rythme de votre respiration. Et prenez petit à petit des respirations un peu plus profondes et un peu plus amples. Respirez par le nez. Et sentez une expansion à chaque inspiration. L'air vient nourrir chaque cellule de votre corps. Et à l'expiration, vos poumons se vident et laissez venir une intention d'ancrage, de stabilité. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui avant de démarrer la pratique. Observez si vous êtes plutôt en forme, un peu fatigué ou un peu stressé. Revenez à votre respiration et laissez la respiration vous accompagner, vous guider tout au long de la pratique. Sur une prochaine inspiration, vous allez monter vos bras de chaque côté, joindre vos deux mains, et sur votre expiration, ramenez vos mains devant le cœur. Et relâchez ensuite vos deux bras, laissez doucement vos yeux s'ouvrir. Vous allez changer le croisement de vos jambes, si vous êtes en tailleur, vous changez le croisement.
Et vous allez inspirer en montant vos deux bras. En expirant, vous allez tourner doucement vers la droite. En faisant partir votre mouvement depuis la taille. Vous allez ouvrir votre bras droit derrière vous, déposer la main sur le sol et placer votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vous inspirez, vous vous grandissez un peu plus et en expirant, vous tournez peut-être encore un peu. Vos épaules restent basses. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous relâchez lentement. Montez vos bras vers le ciel. Inspirez, expirez, tournez vers la gauche. Depuis la taille, puis vous déposez votre main gauche sur le sol derrière vous, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus. Prenez une inspiration profonde. Et en expirant, relâchez doucement, montez vos deux bras. Venez entrelacer vos doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel et tirez-vous. Grande inspiration. Et en expirant, ouvrez vos bras, relâchez vos deux bras. Enlevez votre coussin si vous en avez un. Venez vous mettre à quatre pattes. Déposez les poignets, les mains sous les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin. On va inspirer en creusant dans le dos, en pointant le coccyx vers le ciel en amenant les épaules vers l'arrière, regardez vers l'avant et en expirant, poussez dans vos mains. Arrondissez complètement votre colonne, relâchez votre tête. Et encore, inspirez dos creux. Expirez dos rond. Commencez à mobiliser votre colonne vertébrale et commencez à essayer de synchroniser le mouvement et la respiration, un peu comme si vous veniez accorder un instrument de musique. Que le son qui sorte de votre instrument soit harmonieux. Essayez d'harmoniser le mouvement du corps et le rythme de votre respiration. Continuez quelques fois. Et revenez au centre. Vous allez écarter un peu plus les genoux, rapprocher les gros orteils, venir vous asseoir sur vos talons et venir déposer le front sur le sol. Tendez vos bras loin devant vous, cherchez à étirer tout votre dos. Et venez maintenant à nouveau à quatre pattes. Recourbez vos orteils, soulevez les genoux, amenez le bassin vers le haut et vers l'arrière, gardez les genoux un petit peu fléchis, on cherche à étirer tout le dos dans la posture du chien tête en bas. On va garder les jambes un petit peu fléchies d'abord pour privilégier l'allongement de la colonne. On va rapprocher un talon vers le sol et ensuite l'autre. Alternez droite et gauche, commencez à étirer l'arrière des jambes. Et vous allez lentement déplacer vos mains vers les pieds. Vous marchez avec vos mains. Déposez les talons sur le sol. Relâchez bien votre tête. Venez attraper les coudes opposés avec vos deux mains. Relâchez complètement la tête. Relâchez bien vos épaules. Et ensuite, décroisez vos bras. Poussez dans vos pieds et déroulez la colonne lentement, une vertèbre après l'autre. Enroulez ensuite vos épaules vers l'arrière. Marchez tranquillement vers l'avant de votre tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Venez joindre vos mains devant le cœur. On va faire quelques salutations au soleil pour réveiller tout le corps. Expirez profondément.
Et inspirez, montez vos bras vers le ciel et tirez-vous très haut. Expirez, fléchissez les deux jambes, basculez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez dans un dos plat, déposez les mains sur les tibias, allongez toute votre colonne. Expirez, relâchez, déposez les mains au sol. Vous allez dégager votre jambe droite loin vers l'arrière. Et vous allez dégager maintenant la jambe gauche également vers l'arrière. Pour vous retrouver dans une planche, on va déposer les genoux sur le sol. Et on va fléchir les coudes et déposer la poitrine et le menton vers le sol. Puis déposez ensuite le pubis au sol, tendez vos jambes, inspirez, venez dans un petit cobra sans forcer dans vos mains. Puis poussez dans vos mains, revenez ensuite en chien tête en bas. On prend une grande inspiration, profonde expiration. Donc c'est une variante des salutations au soleil, il en existe de nombreuses. Regardez vers vos mains. Vous allez marcher vers vos mains. Inspirez dans un dos plat. Expirez en relâchant vers le bas. Fléchissez les jambes. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Joignez vos mains. Expirez, amenez les mains devant le cœur. Bras le long du corps. Et on repart. Inspirez, montez vos bras. Expirez vers le bas. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Déposez les mains. Dégagez la jambe gauche loin derrière. La jambe droite ensuite, planche, déposez les genoux, poitrine, menton vers le sol, pubis au sol, inspirez petit cobra ou cobra en montant un peu plus haut et expirez, venez en chien tête en bas. Une grande inspiration, profonde expiration, regardez vers l'avant, marchez vers vos mains, inspirez dans un dos plat. Expirez en relâchant vers le bas, fléchissez les jambes, inspirez, remontez jusqu'en haut. Joignez vos mains, expirez, amenez les mains devant le cœur, bras le long du corps. Et cette fois, on va inspirer en montant les deux bras, expirez en fléchissant les deux jambes. Posture de la chaise, on inspire, expire, on plonge vers le bas. Inspirez dans un dos plat. Expirez en relâchant, dépose les mains au sol, marchez vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, montez votre jambe droite derrière vous, pas trop haut. Et en expirant, amenez votre pied vers l'avant. Déposez le pied droit sur le sol, gardez le talon gauche soulevé à l'arrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente, fixez un point bien stable dans vos appuis. Expirez. Prenez une grande inspiration et dans la fluidité, redescendez lentement. Déposez vos mains sur le sol, amenez le pied droit à côté du pied gauche en planche. Déposez vos genoux, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, petit cobra ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Profonde inspiration, profonde expiration. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, amenez votre pied gauche vers l'avant. Gardez le talon droit soulevé. Sur l'inspiration, redressez-vous dans la fente. Expirez ici. Grande inspiration. Et en expirant, plongez vers le bas, déposez les mains. Venez en planche. Déposez vos genoux, fléchissez les coudes, poitrine, menton au sol. Inspirez, petit cobra ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Profonde inspiration. Grande expiration. Regardez ensuite vers vos mains. Marchez vers les mains. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez vers le bas, fléchissez vos deux jambes, inspirez, retrouvez la posture de la chaise, expirez ici, repoussez dans vos pieds pour remonter en inspirant, expirez, amenez vos mains devant le cœur, bras le long du corps, fermez vos yeux un instant, sentez que les battements de votre cœur se sont peut-être un peu accélérés. Laissez vos yeux s'ouvrir et faites un grand pas dans la largeur de votre tapis, les mains sur les hanches.
Donc les jambes sont bien écartées. On va tourner le pied droit vers la droite, rentrer un peu les orteils du pied gauche. On va déployer les deux bras. Et en expirant, vous allez fléchir pour venir dans le guerrier. Donc fléchissez votre jambe droite. Fléchis bien, on a le genou au-dessus de la cheville, on déploie les deux bras. On va faire ce guerrier, mais en dynamique. On va inspirer, retendre la jambe, monter les deux bras, les mains en contact. Expire, on regarde vers la main droite, on fléchit la jambe avant. Et encore, inspirez, montez, expirez, retrouvez le guerrier. Et encore, inspire, toujours en rythme avec votre respiration. Inspire, on monte. Expire, guerrier 2. Encore une fois. Restez maintenant dans votre guerrier. Déployez bien vos deux bras. Le regard déterminé. Sentez-vous bien stable, bien ancré dans vos deux pieds. Une posture qui développe la force, la détermination, la confiance en soi. On reste encore quelques respirations. Si vous sentez une zone de votre corps se mettre un peu en tension, essayez mentalement d'amener du relâchement dans cet espace. Prochaine inspiration, retendez votre jambe avant, amenez les mains devant le cœur, rentrez légèrement les orteils du pied droit. Et on part tout de suite à gauche. On dégage le pied gauche. Vous faites une rotation externe dans votre hanche gauche. Déployez vos bras. Inspirez. Expirez. Fléchissez la jambe avant. Genou gauche au-dessus de la cheville. Les bras bien déployés. Les épaules restent au-dessus du bassin. Et c'est parti. On inspire. On tend la jambe avant. On monte les deux bras. Expirez. Guerrier 2. Inspire. Expire. Dernière fois. Expirez, restez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Essayez de trouver le juste milieu entre l'engagement total de tout votre corps et le relâchement. Vos bras sont fermes et en même temps légers. Prochaine inspiration, retendez votre jambe avant, ramenez les deux mains devant le cœur, rentrez les orteils de votre pied gauche, placez vos mains sur vos hanches, fléchissez les deux jambes et faites un petit saut pour revenir à pieds joints. Vous allez joindre vos mains devant votre cœur, fixez un point droit devant vous, transférez le poids du corps sur votre pied droit, levez le genou gauche et amenez votre pied sur le mollet. On vient dans la posture de l'arbre. Imaginez que vous avez des racines sous votre pied droit. Visualisez le tronc de votre arbre, ses branches, ses feuilles. On va doucement monter les bras. Sentez-vous solide et souple à la fois. Sentez tous les micro-mouvements de votre corps pour trouver la stabilité, pour trouver l'équilibre. On prend encore une inspiration profonde. On va chercher à monter un peu plus vers la cime de notre arbre. Et ensuite, ouvrez vos bras. Déposez votre pied sur le sol. Et changez de côté. Transférez le poids du corps sur le pied gauche. Déposez votre pied droit sur le mollet. Placez les mains devant le cœur. Grandissez-vous bien. On imagine toujours ce petit fil au sommet de la tête. Bien stable dans vos appuis. Visualisez votre arbre. Et quand vous vous sentez prêt, peut-être montez vos deux bras. Continuez de fixer un point, de respirer.
concentration et confiance dans cette posture de l'arbre. Encore une inspiration, on se grandit un peu plus. Et expirez, ouvrez vos bras de chaque côté, redéposez le pied au sol. Fermez vos yeux un moment, les pieds écartés de la largeur du bassin. Laissez le poids du corps aller sur un pied, puis sur l'autre. Laissez maintenant vos yeux s'ouvrir, prenez une grande inspiration. En expirant, enroulez lentement votre colonne une vertèbre après l'autre. Venez attraper les coudes opposés comme tout à l'heure, on relâche bien la tête, on relâche les épaules. Relâchez ensuite vos bras, fléchissez complètement vos deux jambes pour venir vous asseoir. Venez à l'avant de votre tapis, on va venir se mettre allongé. On va soulever les deux pieds et se laisser rouler vers l'arrière. Ramenez les genoux vers la poitrine. Serrez les genoux vers vous. Déposez ensuite vos pieds sur le sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin, bras le long du corps, les mains bien à plat sur le sol. Vous allez inspirer. En poussant dans vos pieds, montez votre bassin. Et en expirant, vous redéroulez une vertèbre après l'autre, tout doucement. Et encore, inspirez, poussez dans vos pieds, montez votre bassin. Expirez, redéroulez lentement. Une dernière fois, inspire, on pousse, on monte. Sentez bien l'appui de vos deux pieds sur le sol. Expirez, redescendez lentement. Ramenez maintenant le genou droit vers la poitrine. Tendez la jambe gauche le long du tapis. Serrez ce genou vers vous. Ouvrez ensuite le bras droit sur le côté et laissez la main gauche entraîner le genou droit vers la gauche. Dans une torsion, on relâche bien l'épaule droite, tournez la tête à droite. On prend deux respirations profondes. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le genou gauche vers vous, tendez la jambe droite le long du tapis, serrez le genou. Ouvrez le bras gauche et laissez la main droite entraîner le genou vers la droite, la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre. Serrez les genoux une dernière fois vers vous. Roulez tranquillement sur un côté. Prenez appui avec vos mains pour vous redresser. Venez retrouver une position assise, confortable. Gardez vos yeux fermés encore quelques instants. Cherchez à bien allonger votre colonne, placez les mains sur les genoux, revenez à l'écoute de votre respiration. Observez votre état intérieur maintenant après cette pratique. Sur une inspiration, montez vos bras de chaque côté.
Joignez vos deux mains et sur l'expiration, ramenez vos mains devant votre cœur, inclinez la tête vers le cœur. Remerciez-vous intérieurement d'avoir pris ce moment pour vous, de l'avoir partagé avec de nombreux yogis aux quatre coins de France et du monde. Namasté. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation. Et vous pouvez me retrouver, si vous le souhaitez, sur mon site mysunnyyoga.com pour découvrir d'autres séances en vidéo. So now, get ready for the heartfulness relaxation. Sit comfortably and close your eyes. Breathe softly and very gently. Let's begin with the toes. Feel them and relax. Relax your ankles and feet. Feel the energy move up from the earth, up from your feet to your knees. Relax in your legs. Relax in your toes. The energy moves up your legs. Relax. Now, deeply relax your hips, stomach and waist. Relax your back from the top to the bottom. The entire back is relaxed. Relax your chest and shoulders. Feel your shoulders simply melting away. Relax up your arms. Relax each muscle in your forearm, your hands, right up to your fingertips. Relax the neck muscles. Move your awareness up to the face. Relax your jaws, mouth, nose, eyes, facial muscles, forehead, all the way to the top of your head. Feel how your whole body is completely relaxed. Move the attention to your heart. As you rest there, gently have the idea that divine light is illuminating your heart from within and is pulling your attention inward. Feel immersed in love and light in your heart. Remain still and quiet and slowly become absorbed in yourself. Remain absorbed within this deep silence as long as you want, until you feel ready to come out again.
as your body is relaxed and your heart filled with the divine lights of love, remain quiet, and when you are ready, you can open your eyes. And now, let's get ready for the heartfulness meditation. Meditation A general experience of life is governed by thoughts. Heartfulness meditation is a process through which we shift from thinking to feeling. It is a journey from the complexity of mind to the simplicity to the heart. Please follow the guidance to experience it yourself. Gently close your eyes and relax. Turn your attention inward and take a moment to observe yourself. Now, suppose that the source of divine light is already present within your heart and is attracting you within. Gently relax into that feeling. If you find your awareness drifting to various thoughts, do not fight them and do not entertain them. Let them just be, while simply reminding yourself that you are meditating on the source of divine light in your heart. Allow yourself to become more and more absorbed within. Stay in this feeling for the next 20 minutes.
Now, keeping your eyes closed, observe and savor the feeling you've just experienced. And let this condition be a part of you. Thank you.